Et salut les amis, c'est Prime, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me. Comme vous avez pu voir les amis, il y a une mise à jour en cours qui est sur le chat beauté. Alors moi je l'appelle le chat beauté parce que dans le film il dit le chat beauté, mais c'est le chat poté les amis. Hein. Donc le chat poté est ici et il me confie quelques tâches. Donc il me dit que c'est le légendaire chat poté. Il est arrivé sur cette île avec de nombreuses aventures. Il est heureux de constater qu'il y a des animaux et des vies exceptionnelles. Donc grosso modo les amis, ce chat va me donner une quête pour récupérer 5 objets. Donc là j'accélère, hein, je vous laisserai lire si vous voulez de votre côté bien entendu. Donc il y a 5 éléments et il y a donc son épée, son chapeau, ses bottes, sa plume et éventuellement l'étoile qui n'est pas éternelle qu'on peut choper de temps en temps. Donc forme un cercle et rejoins la file d'attente. Donc là ça part dans 4 minutes. Et bien on va pouvoir les amis ensemble chercher les items pour essayer de choper les chats. Apparemment il y en a plusieurs hein, donc on va vite le savoir. Et c'est parti les amis. Alors vous faites pas avoir comme moi les amis, ne rentrez surtout pas dans les bâtiments. Si vous rentrez dans un bâtiment, ça va vous arrêter la quête et vous allez tout recommencer. Et vous allez patienter 10 minutes. Alors je vous invite fortement à ne pas rentrer dans un bâtiment. Et ça y est, on approche. Voilà. Bon, mais c'est pas à l'intérieur d'un bâtiment, je reprécise. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc je creuse, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Je creuse et j'essaye de choper les objets, les amis. Alors un coffre, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une plume. Ok, j'en ai une. Yes! Bon là apparemment il n'y a rien. Ou alors il creuse d'une manière très chelou. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Le chapeau! Wouh! Est-ce que je peux les mettre? Ben je vais les mettre au chat si j'arrive à les choper. Ça qu'est-ce que c'est? C'est parti! Et c'est encore le chapeau. Bon ça va, on a le temps de faire quand même pas mal de trucs. Alors, oh ça passe vite hein. Il reste seulement 50 secondes les amis. Mais c'est abusé. Oh, je vais enchaîner hein. Ah là faut enchaîner. Dès qu'il y en a un qui sort, vous enchaînez sur le suivant. Allez c'est parti. Voilà, faut pas perdre de temps là. On va essayer de tous les faire, les spots. Allez, vas-y, dépêche-toi. T'as pas le temps, là. Vas-y, go, go, go. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Donc, pour le moment, j'ai pas eu une seule fois l'épée. Nice, tu as trouvé 5 éléments perdus. Retour de réclamer ton dû. Ok, ouais, mais non. Je vais en avoir plus, moi. On va essayer d'en choper d'autres. Donc, on va voir ce qu'on va avoir. Il me reste 20 secondes. Profitons-en. Apparemment, des pets, on peut en avoir plusieurs, les amis. Quoi, plusieurs fois. Donc, faut pas lésiner, là. On creuse, on creuse. Yes! Allez, vas-y, il en reste encore quelques-uns là. J'aurais pas le temps de tout faire, mais c'est abusé, ça va trop vite! Allez, dépêche-toi! Encore un, encore un, encore un, encore un. Et le dernier, j'aurais peut-être pas le temps. Ah, j'ai chopé une étoile. Ah, tiens, ça sert à quoi ça? Une étoile? What? Elle est stylée, regardez-moi ça! Une star! Ah, ben en plus, j'en ai deux. Bon, j'ai tellement tracé que j'en ai chopé deux. Alors, on va retourner voir le chat beauté ou le chat poté qui est de l'autre côté. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est à l'autre bout de la map. On va y retourner le voir et on va essayer de voir ce qu'il va nous donner contre ben, ce qu'on a trouvé là. Bon, le temps de faire le truc, il reste après 7 minutes pour en faire un autre. Alors, on va lui parler. Alors, bravo, tu as réussi. Merci d'avoir retrouvé les 5 éléments de mon équipement. Je suis désormais prêt pour la grande aventure que j'ai jamais vécue. Même s'il n'est pas aussi fantastique que moi, prends ce joli petit chat. Ok. Alors, est-ce que tu veux racheter une étoile à vœux, des bottes, une plume, etc. Une épée pour un autre chat? Ben oui. Ok. What? Le petit chat? Alors, faites voir. Attendez. Normalement, j'ai les items. Attends, mais lâche-moi. Ton aventure ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup de chats qui ont besoin de foyers. Alors, continue. Il te reste des éléments de mon équipement en trop. Ben, donne-les-moi et tu vas voir, ça va bien se passer. Ouais, encore, il est en train de me parler, il s'arrête plus. Donc, je pense qu'il est en train de me dire que si je lui donne encore des trucs, il va me donner d'autres chats. Ben, normalement, là, je peux en avoir un deuxième alors. Vas-y, tiens. Prends le chat, vas-y, envoie. Oui, j'en veux un autre. Yes, j'ai deux chats. Bon, ça, c'est génial. Alors, au niveau de l'équipement, les amis, ça donne quoi? Il faut que je retrouve les pet toys ou les pet wear. Voilà, donc l'épée. Allez, ok. Je vais la donner au chat. Ah ben oui, forcément. Si je lui rends les objets, je les ai plus. Et je peux plus les porter sur mon pet. Mais ça, c'est pas cool. Il va falloir que j'aille les rechercher pour équiper mon pet et le transformer en chapeauté, les amis. Ça va plus du tout. Bon, allez, les amis, c'est reparti. On va re-regarder la map. Alors, du coup, franchement, ce machin, c'est sympatoche. On va essayer de trouver le plus près. Ben, il est juste devant. Let's go. Alors, lequel est le plus près de l'endroit où je me trouve? Le Toy Shop, il est où?
Hop, hop, hop. Le Toy Shop, il est à l'autre bout de la map. Le Red Bridge. Le Red Bridge, il est où? Pop, pop, pop. Il est juste devant moi. Le Red Bridge, donc le pont rouge. Et je vais chercher sur un pont. Ils sont sérieux ou c'est juste derrière? Ah voilà, ça y est, je vois le point archéologique. Alors là, on va essayer de choper les objets, les amis, pour le chat, hein, d'accord? On va essayer de mettre le chat en chapeauté. Parce que là, bah, le pauvre, il peut pas le faire. Hein, il est tout seul, il se sent seul. Alors c'est parti, let's go! Allez, envoie, envoie, envoie. Là, faut farmer les items. Hein. Donc j'ai eu un chapeau rare, donc je vais lui donner direct. Voilà. Oh! En fait, faut spam. Hein. Il faut spam pour aller plus vite. Comme ça, dès que vous sortez du truc, vous pouvez renchaîner derrière. Alors l'étoile, on peut pas lui donner. Ouais, ok. D'accord. Ça, c'est quoi? Il me l'a même pas dit. Une plume. On lui donne. Voilà. Nice, tu as trouvé les 5 objets. Ouais, mais non, je les garde. Je le donne au chat. Ça aussi, les bottes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des bottes. Allez, vas-y, tu peux le faire. T'es sympatoche. Une épée. Bon, ça, je l'avais déjà. Je crois que ça y est, je lui ai mis la panoplie entière, là. Je vais quand même faire le test. On va voir. Il m'en manque peut-être quelques-uns. Oh, j'ai presque tout fait. Regardez, j'ai fait toute la plateforme. En spamant comme un bourrin. Allez, le dernier, 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 dernier. Je les ai tous faits. J'ai réussi. J'ai fait tous les spots. Bah allez, vas-y, donne-moi un dernier truc, là. Non, même pas. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Eh ben, j'ai eu 4 épées, 4 chapeaux, 4 bottes, les amis, et 2 étoiles. Bon, enfin, franchement, le truc est quand même sympatoche. Moi, j'aime bien. Là, je vais quand même lui mettre une petite potion pour voir ce qu'il donne, même s'il est malade, le pauvre. Et c'est parti, le petit chat persan en raid, les amis. On lui donne la potion. Yes, on va pouvoir monter dessus pour toujours. Allez, vas-y. Fini, fini. Yes, et voilà. Et qu'est-ce que ça donne? What? Oh, il est stylé! En vrai, il est trop stylé. Oh, ça rentre trop bien avec les bottes et tout. Je vais aller quand même lui mettre la couleur du chapeauté, les amis. Et ouais, parce qu'il faut quand même qu'il soit stylé jusqu'au bout. Hein. Alors qu'on soit sûr, hein, le chapeauté, donc il est comment? Il a un peu de blanc. Bon, c'est du blanc dessous et du orange autour sur les taches et des taches un peu plus rouges. Hein. Voilà, bon, on va voir. On va essayer de refaire le même. Voilà, faut pas se tromper au niveau des couleurs. Hein. Donc alors, on a dit du orange. Il n'y en a pas. Déjà, ça commence bien. Bon, on va prendre celui-là, hein, même si c'est pas vraiment du orange. On a dit du blanc et une couleur un peu plus foncée. Bah ouais, ça. D'accord, ok. Bon, déjà, on va voir quelle partie du corps on peint quand on fait ça. Parce que là, je le sens pas, le plan. Alors vas-y, envoie la couleur. Et il est... Wouh! Déjà, ça commence bien. Là, je le sens bien, le plan. Ensuite, on va mettre une couleur un peu plus sombre, qui est celle-ci, qui va faire peut-être les taches. Non, c'était dessous, ça. Ah, faut que je recommence. Bon, allez, deuxième tentative. C'est parti, donc on peint. Voilà, déjà, le chat, il est bien, là. Ensuite, deuxième couleur. Donc, il faut du blanc pour avoir les taches blanches qu'il a sous le ventre. Yes. Et enfin, on termine par une couleur un peu plus foncée pour les taches qu'il a dessus. Allez, vas-y. Hop. Et là, les amis, nous avons le chat beauté. Bon, le chat beauté qui est... qui est en PLS. Non, mais ça rend bien, en fait. Oh, il est ultra stylé comme ça, même s'il est malade, hein. Mais franchement, ça rend super bien. En tout cas, j'espère que cette mise à jour vous plaît. Bon, vous savez que vous pouvez avoir les pets à volonté. Regardez comment il claque et qu'il est cute, mon petit pet, comme ça. N'hésitez pas à me dire, les amis, en commentaire, ce que vous pensez de ce pet. Moi, franchement, je le trouve ultra stylé. Même si c'est juste un pet ultra rare, ben, c'est déjà très bien. N'hésitez pas à like si c'est pas déjà fait. Et vous abonner, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.